Mon Dieu, que vous avez été nombreux à mettre des likes sur les deux premières vidéos. J'ai lu absolument tous vos commentaires. C'est complètement faux, ça fait 2 heures que je joue au jeu. La preuve, j'ai le même t-shirt. Mais non, je rigole. Si j'ai le même t-shirt, c'est parce que je suis dégueulasse. Bon, on est parti. On est sur la suite de Nightfall. Ouais, c'était la semaine spéciale Nightfall. Eh ouais, alors. On se fait plaisir, petit jeu d'horreur. Et puis à chaque fois, on me dit, ouais, mais Jolotte, tu finis jamais les jeux. Eh ben écoutez, c'est le moment pour les finir. Bon bah voilà, on va avancer tout doucement et ça va bien se passer. On va éviter de courir comme des dératés. La chaise en bas ne bouge pas, il n'y a pas de ballon, tout va bien. Bien sûr, toujours pour cette troisième session, je vous le rappelle, mais vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Et notamment Nightfall. Jerry, c'est toi qui as foutu ce bordel? Est-ce que c'est toi qui viens de faire un boucan d'enfer? Très bien, ce n'est pas toi. Mais alors, qui est-ce? On va aller faire un tour dans la chambre à côté. Cette poupée, elle est toujours là. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, elle était déjà là. Une disquette. N'irait-elle pas dans l'ordinateur, des fois? Bah, écoutez, si c'est comme ma cassette qui peut pas être lue dans le poste radio, on va être bien avancé. Allez, on va tout de suite tenter d'aller mettre la petite disquette dans l'ordinateur. Oui, oui, bah je l'ai. Oui, bah je l'ai. Ah, voilà, ça y est. Ah, ok, oh, ça y est, regardez. Oh, y a personne? Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ça? D'accord. Bon, écoutez, j'éteins ça, ça me stresse. On va plutôt descendre en bas. On a fait tout l'étage. Oh. Oh. Oui, on a fait tout l'étage. Hein. On va descendre en bas au rez-de-chaussée. Alors. Alors. Que se passe-t-il ici? Oh! D'accord! C'est la fenêtre qui vient de s'ouvrir, mon gars. Ça fait peur. Alors, ici. Y a quelqu'un dehors? Non. Bien sûr, on a toujours la petite note. Ici, on a toujours le porte-manteau qui fait bader. On va aller de l'autre côté. Voilà, ici. On va aller par là. Voilà, dans le salon. On est bien là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a fait peur, cette grosse tête de cerf, là? Oh, c'est un truc de fou, quand même. Hein. Direction la cuisine. Le poste radio. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette maison? Non, d'accord. On se... Frigo. Non, d'accord. Bah écoutez, je pense que... On va sortir, parce que là, on a fait... Ah non, on n'a pas fait toutes les pièces. On n'a pas fait... Oh, c'était quoi ça? Oh, attendez, faut que je me détende là. Comment qu'il... Qu'est-ce que c'était que ça? Il y a une espèce de bonhomme qui a rigolé très sournoisement. Ça, ça détend toujours. Hein. Voilà. Bon. Oh putain, mais les lumières qui s'allument d'un coup. Je sais pas si c'est fait exprès encore une fois, mais toujours fermé ici. Hein. Bon, écoutez, on va sortir. Oh! Depuis quand c'est fermé, là? Depuis quand que la porte est fermée? C'est pas normal, ça. C'est nouveau. On va remonter à l'étage. Faut chercher la note. Attendez, je sais plus si on a fait toutes les pièces. Oh! C'est quoi ça? Ce cri de tapette, hein, n'ayons pas peur. Hein. Voilà. Ce cri de fragile que je viens de pousser, mon gars. Oh, c'est quoi ça? Yes, des allumettes. Oh, yes! Ça doit être la cartouche de jeu. Excellent. Ah, écoutez, on va aller mettre la cartouche de jeu en bas. Putain, les portes qui claquent. Voilà, la cartouche de jeu. On va aller la mettre dans la console. Hop, je l'ai. Voilà. Alors. Oh! Trogman, press to start. D'accord. Ah! Ah, ok, d'accord, on peut jouer.
D'accord. Ouais, faut ramasser les pièces en fait. Ah non, mais vas-y, bah j'arrête, c'est bon là. Je vais pas jouer toute la nuit à ça, non. Allez, éteins-moi ça là. Oh putain, comment ça m'a fait bader. On dirait qu'il y a une tête, vous voyez. Une tête, un visage avec des yeux là. Y a pas eu un bruit chelou là-dedans. Oh, elle m'a fait peur. Il me faut des allumettes. Ah bah, parfait. What? Tu te fous de ma gueule, toi. Le fil du téléphone est endommagé. Je ne peux pas le réparer. Oh! Je ne voulais pas blesser Molly, vous vous êtes laissé prendre. Je ne vous laisserai pas partir. Vous êtes comme les enfants que je n'ai jamais eus. Putain, mon vieux, il faut avoir l'œil partout, hein, je vous jure. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Yes! Partie sauvegardée. Il est 22h30, 7h30 avant le lever du soleil. Bon, parfait. Celle-là, la note, on la connaît. Ah, par contre, du coup, vous voyez, ça m'a éteint toutes mes bougies. Attendez, je crois, non? J'avais pas allumé de bougie dans cette pièce. Oh, une cartouche de jeu. Il y a des objets qui apparaissent à chaque étape, quoi. À chaque étape de l'histoire. Et oui, effectivement, les bougies sont éteintes. Ok, ici, d'accord. Là, on a toujours le téléphone. On a une nouvelle cartouche de jeu. Ah ouais, bah ça servait à rien que je nique toutes mes allumettes, quoi. Putain. Phoenix, allez. Et non, bah c'est le même, celui-là. Mais non, mon gars. J'avais pas une autre cartouche de jeu? Non, d'accord. Celle-là, la note, on connaît. Oh! Oui, je prends. D'accord, une... Alors, attendez. Bah, je pense savoir la porte que ça ouvre. C'est soit celle-là. Soit celle-là. C'est celle-là. Bingo. Ouh, ça fait noir là-dedans. Des piles. Oui, je prends. Lumière. Oui, on allume. Voilà, on peut éteindre la torche. Alors. Ah! Une pince. Très intéressant. On prend. On ramasse. On se pose pas de questions. Enfin, si. À quoi ça va bien pouvoir nous servir? Ça, c'est une bonne question. Oh, les petits tricycles comme ça, c'est tellement badant. Genre comme dans un vieux film d'horreur, quoi. Allumette, oui. Bien sûr. Oh, bougie. Oui. Vous pouvez placer des bougies dans des chandeliers. D'accord. On va aller voir à l'étage. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah bah si, ils sont restés allumés les bougies ici. Bon, en tout cas, celle-là, elle est restée allumée. Déjà, ça par contre... Oh, c'est ici. Bon, oh non! Oh non! Qu'est-ce que c'est que cette poupée des enfers, mon vieux? Déjà, on va fermer ça. Voilà. Oh, cette poupée des enfers, quoi. Oh non! Tellement badant. Allez, on allume ça. C'est trop badant, quoi. Oh yes, des piles. J'ai déjà 5 piles. Ah d'accord. Bah ça va. Bah écoutez, on va les user un peu. C'est vrai que moi je suis un rapace. Hein. Je veux pas trop user les piles ou quoi. Ouh. J'ai cru voir. Ah non. Non, c'est... C'était un prank. C'était mon imagination. D'accord. J'ai réparé le fil? Mais t'as réparé le fil avec quoi? J'ai rien vu là. Bonjour, ici la police, que puis-je pour vous? Bonjour, je m'appelle Victoria Miller, je suis enfermé dans ma propre maison et il se passe des choses bizarres. Bah tu m'étonnes! Certainement avec la pince que je l'ai réparée en fait. Vous m'entendez, oui? Oui, je vous entends et j'ai besoin d'aide. Il fait exprès mon gars! Écoutez, cette ligne est réservée aux appels d'urgence. Oh putain, il nous entend pas. Ne rappelez plus ce numéro sans raison. Ou alors il fait exprès, il est de mèche. Shit. Oh là là, ce bad. Vous l'avez écouté l'autre? Vous l'avez écouté? Comment qu'il est badant l'autre? Alors attendez. Parce que maintenant, bon bah j'ai réparé le téléphone, machin nana, tout ça. Yes! Ah d'accord! Ok. Témoignage du technicien téléphonique Ed Bloomer pour un incident signalé. Toute la soirée, j'ai tourné dans le quartier d'Union Hills. Tout ça pour découvrir que le problème venait en fait d'un truc aérien. Un petit malin s'est amusé à fracasser le boîtier de dérivation des téléphones. Qui irait grimper en haut du poteau pour faire un truc pareil?
Certainement un taré. Personne n'a pu passer d'appel toute la soirée. Je n'ai pu réparer le boîtier que le lendemain matin, à la lumière du jour. Soit c'était du vandalisme, soit quelqu'un voulait empêcher les gens d'Union Hills de passer des appels. Je pense à la deuxième. Quelqu'un voulait nous empêcher de passer des appels. Yes! Ok, il est 23h, 7h avant le lever du soleil. Très bien, parfait, ça me va. Bon, alors comme d'hab, va falloir fouiller partout. Voilà, parce que maintenant, j'ai... Oh! Tiens. Quelqu'un a collé un petit mot juste ici. Elle aboie fort quand l'orage arrive. Pourtant, laisse Molly tranquille. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Va y avoir de l'orage? Est-ce qu'on peut sortir? Non. Est-ce qu'on peut aller dans le garage? Oui. Oh! J'ai entendu comme un petit couinement. Comme un tricycle qui se déplaçait. Bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Attendez. Je vais d'abord aller faire les autres pièces. Mais je suis presque sûr que c'est le tricycle qu'on a entendu. On va aller voir ça. Oui. Le hamster, il est là. La poupelle est toujours là. Tout est là. Oh, attendez. Ah, je peux placer... Yes, excellent. Je peux placer des chandeliers. Yes, des allumettes. Ok. Alors, attendez. Je vais aller voir dans le garage. Oh! Molly aboie. L'orage arrive. Je vais aller voir dans le garage, mais je suis sûr que j'ai entendu le tricycle se déplacer. Ah non. Bah, c'était peut-être pas ça, en fait. J'ai badé. Pourtant, ça fait un petit bruit de couinement. Bon. On se barre de là. Molly? Ah ben voilà. On peut mettre des chandeliers ici. Enfin, des bougies. Oh! C'est quoi ça? Comment qu'il est badant, lui? Ah bah alors, lui, il n'était pas là, c'est sûr et certain. Lui, il n'était pas là. What? Il y avait un espèce de... Il y avait un espèce de clown avec une machette dans les mains, là. Je l'ai vu. Ah ouais, putain, mais c'est lui qui rigole depuis tout à l'heure. Ah non, mais ce délire. Ouais. La radio dans la cuisine. Je suis presque sûr que je l'ai entendu. Attendez, elle est où la cuisine? Elle est là. Non? J'avais cru entendre ça. Putain, par contre, lui, il est tellement badant, quoi. Oh, attendez. Une note. Note personnelle. Os brisé, amputation, plaie ouverte. J'ai vu de nombreuses blessures différentes chez les quadrupèdes. Mais pour Molly, la chienne d'Hersen, je n'avais jamais vu de telle. Elle serait morte de blessures internes si je ne l'avais pas euthanasiée. Quand je l'ai autopsiée, j'ai trouvé tout un tas d'argenterie dans son estomac. Des fourchettes, des couteaux, des cuillères, même un ouvre-boîte. Ah ouais, putain. C'est chaud, quoi. Ouais, effectivement. Mais comment c'est arrivé là? Aucun chien ne pourrait avaler ça tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Au début, j'ai pensé que les Hersen s'en étaient pris à Molly après la disparition de leurs enfants. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il se passait autre chose que je ne comprends pas. Mais je vais parler d'autre chose dans le rapport d'autopsie. Infection, n'importe quoi, sinon on va me prendre pour un fou. D'accord! Il est 23h30, 6h avant le lever du soleil. Allez, on va faire un petit tour. Le téléphone. Personne. Shit. C'est le prix. Oh, 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 oh. Ouh. Quelques petites coupures de courant. Je pense que nous allons avoir besoin de notre torche très bientôt. Voilà. Ça. Oh, putain, oui. Ouais, à mon avis, le compteur, il va sauter, là. Je pense. On va se retrouver dans le noir. Le petit hamster, toujours là. Oh, des piles. Yes. J'ai déjà 5 piles. Ok, une disquette. Peut-être la changer, non? Trace 3, Trace 2. J'ai pas joué aux deux, je crois. Bon, on va le laisser démarrer tranquillement. On va aller faire un petit tour, nous. Hein? Elle me fait tellement bader, cette poupée, là. C'est un truc de fou.
Oh. Oh, oh, oh. On se calme, on se détend, là. Putain, mais c'est quoi, cette musique badante? Alors, ça dit quoi, là? Ouais, ça dit qu'on va éteindre ça. Ouais, petite bougie. Encore une disquette. Bon, oh, on va descendre. Ici. Oh! Oh, 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 oh! Ça, c'était pas comme ça. Ah! Oui, 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 oui. Ça, c'est la note qu'on a déjà, lue. Ah non, c'était pas comme ça, déjà pas. Ah, écoutez! Oh, comment j'ai eu les boules là? Décroche s'il te plaît, je commence à m'inquiéter. Ouais, bah vas-y, bah avance là. Je peux pas bouger. Attends, Ethan, ne raccroche pas, j'y arrive tout de suite. Non mais. Non mais sérieux quoi. C'est une blague. Bah vas-y, bah bouge là. Oh putain. Oh. Oh merde. Ok, d'accord. Masse. Bon, du coup... Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est nouveau? Putain, mais c'est pas vrai, ça. Ils vont tous s'y mettre, hein. Attendez, je fais attention, là, au cas où il n'y en aurait pas... À nouveau dans le coin. Alors à mon avis, ça va se passer à l'étage. Je pense qu'on va y retourner, d'ailleurs. Attendez. On était retourné dans la salle de bain? Non, pas dans la salle de bain. Alors peut-être dans le garage. Bon, on va voir à l'étage. Dans la chambre du petit. Oh, 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 oh. Oh. Ferme voir ça, là. Voilà. Peut-être là-bas, maintenant. Oh, écoutez. Non? J'entends un truc chelou. C'est lui qui a couiné? Ah bah regardez, on a une note sur le lit. Pouf, d'ivoire. Je peux vous contrôler. Vos jambes. Vos bras. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas bouger. Tout votre corps. Je décide quand vous pouvez bouger. Il faut juste que vous ayez suffisamment peur. Vous verrez. Ah, intéressant. Il est minuit, 6 heures avant le lever du soleil. Et ça commence à ricaner. Là, ça commence vraiment à devenir badant. On commence à rentrer dans un level supérieur. Bon, et bien écoutez, nous allons nous arrêter là. En tout cas, toujours, si vous voulez voir une quatrième partie, eh ben, vous mettez un petit like, vous me le dites dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt. Et ciao tout le monde. Bonne nuit. Faites de beaux cauchemars. Bouh!